Un cycle Steven Spielberg est programmé la semaine prochaine sur Arte. 4 films, dont Les Dents de la Mer, énorme succès en 1975, pour mieux connaître l'une des personnalités les plus emblématiques du 7e art. L'occasion de revenir sur l'œuvre de ce réalisateur précoce qui aime la science-fiction. Rencontre du troisième type, l'histoire, il faut sauver le soldat Ryan, mais surtout l'évocation de l'enfance et de ses blessures. Alexandra Roux. Mes parents m'ont emmené voir Bambi au cinéma. Et évidemment, ils n'avaient pas réalisé à quel point Bambi peut être traumatisant pour un enfant de 5 ans. C'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues de ma vie. Et en particulier la disparition des parents. À cet âge fragile, tout est question d'impressions, de premières impressions. Et ces expériences, on les traîne jusque dans sa tombe. Steven Spielberg, l'un des maîtres du cinéma, est aussi et toujours un grand enfant. Dans ses films, il n'a eu de cesse de mettre l'enfance au cœur de ses histoires. De E.T. à plus récemment Le Bon Gros Géant, en passant par Hook, L'Empire du Soleil ou encore Intelligence Artificielle. Les enfants sont les vecteurs de ses peurs, de ses fragilités et de son éternel émerveillement. C'est à travers eux que Spielberg se raconte le mieux et conjure ses traumatismes adolescents. Lorsque ses parents ont divorcé, il avait même pas 19 ans, et Spielberg, ça l'a complètement bouleversé, déchiré. Et s'il a mis un peu de temps à traiter cette fêlure, cette véritable blessure qu'il a connue à travers ses premiers films, c'est vraiment à partir de Rencontres du troisième type que Spielberg semble avoir assumé vraiment, en tout cas explicitement, sa part d'enfance, à travers le personnage de papa complètement immature. Et à partir de Rencontres du troisième type, là, en effet, l'enfance va vraiment scander la filmographie de Spielberg très régulièrement. Et les enfants, vous connaissez pas Pinocchio? Vous allez adorer. Oh, c'est nul d'aller voir un dessin animé débile, il y a que les enfants qui vont voir ce truc-là. E.T., c'est vraiment le film, encore à ce jour, où Spielberg a le plus raconté son enfance et cette blessure du divorce de ses parents. E.T., c'est l'histoire d'un petit garçon qui va trouver dans presque cet ami imaginaire, il va trouver une planche de salut, un guide auquel il va vraiment s'arrimer comme une bouée de sauvetage et auquel il va devoir, à la fin du film, dire adieu. Et E.T. incarne vraiment ce nécessaire adieu à l'enfance que doit faire le personnage d'Eliot et à travers lui, Spielberg, qui symbolise comme ça la page tournée de l'enfance et l'entrée très progressive dans l'âge adulte. L'enfant est ici confronté à l'autre, à la créature, avec laquelle il va se lier d'amitié de manière quasi immédiate. Spielberg s'est toujours défini comme un cinéaste pacifiste qui convoie des messages pacifistes. Et c'est vrai que ce soit E.T. ou Le Bon Gros Géant, on a là clairement des films qui militent pour la fraternisation entre les peuples. C'est ça aussi la fonction de l'enfant chez Spielberg, c'est parfois d'avoir une préscience plus pacifiste que les humains qui vont tout de suite réagir avec la peur, les armes, la tentation de l'emprisonnement. C'est vrai que dans L'Empire du Soleil, par exemple, on a un film où donc l'enfant est confronté à une situation de la guerre. Il se mesure donc justement aux adultes. C'est la capacité pour l'enfant de survivre dans cette situation-là qui est traitée et qui est comparée à celle des adultes. Et l'enfant se révèle à la fois plus sensible, mais aussi souvent plus fort que les adultes. Sergent Nakata ! Autre caractéristique des enfants spielbergiens, c'est l'épreuve par laquelle ils passent souvent, celle de l'abandon. Que ce soit dans un film historique ou dans un film de science-fiction, quand l'enfant est lui-même un robot. Le gosse de Empire du Soleil, il recherche ses parents. L'enfant de Intelligence Artificielle, il recherche ses vrais parents. Il a foncé, c'est le syndrome de Pinocchio. Il essaye d'être un petit garçon vraiment de chair et d'os. Je t'aime, maman. Et là encore, on a vraiment le symptôme d'une enfance plutôt malheureuse, une enfance qui est vécue de façon tragique, avec une blessure vraiment sourde, mais qui est de plus en plus explicite. Voici Martin. Voici mon fils. Je pense que Hook, c'est l'un des films les plus autobiographiques de Spielberg. Évidemment, la figure de Peter Pan, elle est très logique pour lui, puisque étant rattaché au thème de l'enfance, l'histoire d'un enfant qui ne vieillit pas, qui reste un enfant, est forcément une résonance spéciale pour lui. Peter ! Mort ! Il est revenu ! Il est revenu ! Le film, là, traite vraiment de la nécessité de grandir et de sortir de l'enfance. Et la réponse de Spielberg, c'est finalement la seule chose qui puisse justifier qu'on sorte de l'enfance, c'est de devenir père. Bonjour, Jack. Je sais pourquoi je suis revenu. Je sais pourquoi j'ai grandi. Je voulais être papa. Spielberg fut le premier réalisateur à Hollywood à mettre des personnages d'enfants en tête d'affiche. Et sa force, c'est que les petits comme les grands s'identifient à son univers.
Ce que Spielberg il a par rapport aux autres, c'est que d'abord, c'est un excellent directeur d'enfants, quoi. Vous voyez tous ces films, il n'y a pas un seul gamin qu'on a envie de tarter, parce qu'ils jouent tous juste. Et ça, c'est une véritable réputation objective que Spielberg a à Hollywood, c'est qu'il sait diriger les enfants. Ensuite, il y a une forme de déculpabilisation qu'il nous transmet à nous en tant qu'adultes. Il nous dit, mais allez-y, redevenez des gosses. Tant que ça ne prend pas 100% de votre vie et que ça n'est pas incompatible avec votre vie d'adulte, sachez continuer à vous émerveiller. Vive, venez!